Salut, regardez ces vidéos que j'ai filmées moi-même avec mon téléphone l'autre soir dans Paris, dans mon quartier. Il pleuvait, hein, chose pas très exceptionnelle à Paris. Et ça m'arrangeait parce que je voulais voir tous ces reflets qu'on voit au sol. C'est ça qui m'intéresse. Tous les reflets de la ville, la nuit qu'on peut voir au sol quand il pleut comme ça. J'ai moi-même vu pas mal d'images créées par d'autres artistes 3D dans ces conditions-là. Et je trouve ça toujours très joli, très esthétique. Et ça fait longtemps que je voulais tester moi-même de faire un rendu de ce type-là. Donc, je me lance et comme je le fais dans les autres vidéos, je vais commenter un petit peu ce que je fais en vous expliquant les différentes phases pour atteindre ce résultat. Alors, le résultat, je vais essayer d'atteindre un truc réaliste, mais je ne sais pas si ça va être très très réaliste, mais en tout cas, je veux que ce soit au moins joli et, comme je le disais, esthétique. Donc, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Avant de me lancer dans le travail, je vous détaille quelles vont être les grandes étapes pour réussir à faire ça. Donc déjà, il va falloir une ville, il va falloir que je modélise quelque chose. Et comme je n'ai pas envie de modéliser ça moi-même, je vais aller sur la 3D Warehouse pour voir si je peux récupérer un bout de quartier, un bout de ville, une rue, des vitrines, quelque chose qui puisse me servir de base et que j'ai le moins de modélisation à faire possible. Je voudrais juste me concentrer sur le rendu, les lumières, les matières. Donc une fois que j'aurai ce modèle 3D, je vais donc l'importer, regarder s'il faut le modifier un peu, et je vais travailler principalement deux choses. La lumière, il va falloir mettre une ambiance de nuit avec les lumières de la nuit, c'est-à-dire les vitrines, les enseignes lumineuses, les réverbères, les feux de voiture, etc., etc. Enfin, tout ce qui peut éclairer une ville la nuit. Et pour que cette lumière fonctionne bien, il va falloir que je crée aussi des matériaux qui reçoivent bien la lumière et qui reflètent et qu'il y ait des reflets les plus riches possibles, avec plein de reliefs et de détails possibles. Donc je vais commencer dès maintenant en allant ici sur la 3D Warehouse, en essayant de trouver quelque chose. Donc dès que je vais taper un mot-clé, par exemple City, ville, et puis je vais inspecter un petit peu ce que je trouve, et dès que je trouve quelque chose, je vous montre. Là, c'est des grandes parties, j'essaie de trouver quelque chose de mieux. Ou alors finalement, j'ai tapé Street et je tombe sur ce modèle-là que j'ai pas encore ouvert, mais je vois qu'il y a beaucoup de choses dessus et surtout il ne pèse que 8,2 mégas, ce qui est très peu. Donc je vais l'importer et puis on regarde s'il convient. Donc voilà le modèle. On a une grande tour avec tout un quartier commercial autour, une rue et deux bâtiments, deux grands bâtiments, enfin deux grandes structures, des enseignes commerciales qu'on connaît, hein. Burger King. Bon, bref, je vais changer les enseignes d'ailleurs, je pense, pas à dire tout ça, je vais vous montrer comment on peut en créer d'autres. Et surtout, donc voilà, c'est suffisamment détaillé pour moi. Moi, je vais me mettre, je pense, dans l'angle où on peut voir la tour vue derrière, ce qui serait pas mal. Je pense à un angle un peu comme ça, à hauteur, voilà, à hauteur d'homme, où la tour, je vais pouvoir l'éclairer comme si elle était habitée la nuit avec des lumières dedans. Et donc ce qu'on va faire dans un premier temps, moi, donc la modélisation, j'ai une bonne base, mais je vais quand même modifier parce que je veux que ça sonne un peu, alors peut-être pas Paris parce que les modèles sont pas typiquement haussmanniens, c'est sûr, mais au moins une ville du nord. Donc je vais retirer tout ce qui est palmier, je vais retirer les grouillons là, les personnages 2D. Est-ce que je vais laisser les parasols alors qu'il va pleuvoir ou pas, je sais pas, mais il faut quand même que je meuble un petit peu les terrasses et la rue. Voilà, je vais et surtout regarder un truc, c'est que la rue est toute plate, alors que finalement, bah, ici, il y a un trottoir, il y a un relief, il y a du volume, il y a quelque chose. Donc, je vais essayer de modifier un peu tout ça. Je le fais là, ça va être très répétitif et je vous montre le résultat. Donc, il n'y aura pas grand changement, mais petit changement quand même. Donc là, j'ai retiré les palmiers, les passants, j'ai fait un petit dénivelé ici. Pour faire le trottoir, j'ai pas encore changé les matières, hein, je vais pas laisser le bois, mais au moins on a du relief, on a une rue en contrebas du trottoir, ce qui est normal. J'ai créé ces trucs là qui sont pour moi, enfin qui vont être de la terre pour accueillir les arbres qui vont être plantés dessus, un peu comme on peut le trouver en ville. Et puis voilà, c'est un peu tout ce que j'ai fait en modélisation. Je vais en faire plus, je vais rajouter de la déco, hein, des réverbères, des poubelles, peut-être des vélos, des choses comme ça. Et là, je vois donc le Burger King, là, je vais le retirer, évidemment, lui. Et ça me fait penser à un truc, c'est que je voudrais créer d'autres enseignes. Et j'avais créé une vidéo sur la chaîne pour faire des logos. Je vous la remets ici en visuel sur l'écran et puis en lien dans la description. Et elle permet donc de faire n'importe quel logo d'enseigne. On peut faire plein, plein de choses. Et je vais changer les Prada, Dior et compagnie pour des enseignes plus, enfin, un peu moins luxe, peut-être, parce que je trouve que ça colle pas trop au décor. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Moi, je vous montre le résultat.
Donc voilà, j'ai créé ça, j'ai créé Nature à Découverte, qu'on connaît à peu près tous, Patagonia, d'autres marques. Alors une que j'ai inventée complètement, Ecolivre, alors là je l'ai faite moi-même. Celle-ci qu'on ne présente plus, et puis donc je vais les mettre à la place de Prada, Dior et compagnie, et puis je vais les répartir un peu plus sur le modèle. Aussi ce que je vais faire, c'est que je vais changer les visuels ici, qui vont être éclairés, hein. C'est de la pub qui est lumineuse, ça pareil ici on a des marques, je vais peut-être les changer, je ne sais pas trop. On va voir. Et donc, je vais commencer à créer et à placer toute cette ambiance lumineuse. Et après, on fera les matériaux. Voilà, je viens de modifier tout ce que je vous ai dit. C'est à savoir placer les enseignes lumineuses, les remplacer. Quelques visuels ici qui seront rétro-éclairés. Et maintenant, ce que je vais faire, alors, j'ai créé aussi une scène. Voilà, j'ai déterminé le point de vue de mon rendu, ce sera ça. Ça me paraît bien parce que je vais voir tous les points lumineux se refléter sur cette surface-là qui... dans mon esprit, va être des pavés en relief, très brillants, parce que mouillés. Donc, on devrait bien voir les reflets et l'effet que je voulais au début. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est m'occuper de l'ambiance lumineuse. Donc, ça va être en grande partie les enseignes, les vitrines, etc. Donc, je vais tout de suite couper le soleil, voilà, qui est fait. J'ai coupé le soleil, et de manière à ne pas avoir d'éclairage direct du soleil. Et je vais m'atteler aux enseignes. Alors, je vous montre sur une, et puis je vais le faire après sur toutes. Les enseignes, ce sont donc des groupes, et il suffit quand c'est un groupe de cliquer ici dans Verre sur le Mesh Light, convertissant en Mesh Light. C'est pareil, j'ai des vidéos sur les Mesh Light sur la chaîne. Et donc, le fait de faire ça, cette enseigne devient une lumière. Alors, je la retrouve ici, Mesh Light, je peux lui mettre une couleur. Je vais mettre la couleur un peu Fnac, comme ça. Et puis, je lance le rendu, on regarde ce que ça donne, et je vais ensuite le faire pour tout. Voilà, on voit que mon logo émet de la lumière. Alors, je pourrais lui faire émettre plus de lumière. Voilà, plus ou moins en fonction de l'intensité que je vais régler ici. Donc voilà, je vais régler un peu toutes mes enseignes comme ça. Et je vous reprends juste après. Alors, pas que les enseignes d'ailleurs. Je vais faire aussi les vitrines. Enfin, tout ce que je peux éclairer. Donc, qu'est-ce que ça donne avec toutes ces enseignes lumineuses et ces vitrines éclairées? Voilà ce que ça donne. Je vais encore éclairer l'immeuble derrière. Fenêtre par fenêtre, je vais mettre des sphères light dans l'immeuble. Mais voilà, grosso modo, il va falloir que je gère l'intensité, évidemment, de tout ça. J'ai essayé ici de mettre déjà un matériau qui reflète et on voit déjà un petit peu ce que ça va donner. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est, avant d'ajouter tous les détails, c'est régler les matériaux des trottoirs et de la route. Et pour ça, je vais utiliser des matériaux, alors pour le trottoir, des goudrons de la bibliothèque, je pense. Et puis pour la route, je vais utiliser des pavés que je vais aller chercher sur un site qui s'appelle Polyhaven et sur lequel sont référencés pas mal de textures assez réalistes. Donc voilà sur Polyhaven les différents types de pavés que j'ai à disposition. Donc celui-ci me semble pas mal pour un truc de ville. Je vais plutôt opter pour celui-là. Et pour le sol, on peut aussi aller chercher des bétons ou des asphaltes. Alors, je vais essayer de trouver ça. Voilà, j'ai sélectionné ça pour la route et peut-être ça pour un peu les trottoirs et le parvis. Je vais voir, plus d'autres matériaux. Je mets ça en place et je vous montre à quoi ça ressemble. Bon, je viens d'essayer avec les pavés que j'avais relevés. Je ne trouve pas le résultat terrible là. J'ai mis des nuages dans le ciel et j'ai baissé la luminosité. Et je trouve les reflets vraiment pas top. Donc, je vais essayer un autre type de pavé. Là, j'ai mis des pavés un peu plus gros. Bon, là, ça fait un peu huileux, mais je pense savoir pourquoi. Parce que ça manque d'éclairage. J'ai rajouté des réverbères, des voitures, des choses comme ça. Tout un tas de déco et surtout de choses qui éclairent un peu plus ma scène. Je vais changer la texture du trottoir pour un goudron un petit peu abîmé. Pareil, un petit peu brillant. Et je pense qu'on va commencer à obtenir quelque chose de pas mal en ajoutant aussi des ampoules dans l'immeuble. Alors, je vous passe tout ça en accéléré. Et je pense que le résultat va commencer à s'approcher d'une image plus réaliste parce que là, on en est encore assez loin. Alors, petit test de rendu maintenant que j'ai ajouté pas mal d'éléments, des pancartes, un feu rouge, une voiture, voilà. De la lumière dans l'immeuble, ici au fond. Alors, je trouve que ma vitrine, là, elle est trop voyante, là, sur la gauche. Je vais changer l'image qu'il y a dedans. Les lumières dans l'immeuble, ça a l'air de bien marcher, donc je vais en ajouter pas mal, à droite et à gauche. Ici, le feu rouge, on ne le voit pas, et pourtant, je l'ai bien ajouté, mais il est trop discret. Je vais sans doute ajouter une deuxième voiture, et puis modifier deux, trois trucs, faire briller la terre.
Bref, je vais rajouter des détails. Un passage piéton. Alors, le passage piéton, je vais essayer de vous montrer comment ça marche. C'est une technique qui s'appelle le décal, pour lequel j'ai aussi une vidéo. Donc, je vous la mets ici à l'écran et puis je vous invite à aller la chercher sur ma chaîne. Ça s'appelle les décals. Et donc, les décals, ça va nous permettre de rajouter des textures sur des textures. Et il se trouve que dans la bibliothèque Cosmos, on a dans matériaux une bibliothèque de décals, c'est ici, et dans lesquels on peut ajouter des choses. Donc, je vais regarder s'il y a un passage piéton. Il n'y a pas de passage piéton, il y a des marquages au sol, il y a des fissures, des plaques d'égout que je peux ajouter à droite, à gauche. Et moi, ce que je vais faire, c'est, ben, je vais ajouter par exemple une plaque d'égout. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, je viens de télécharger. Le décal téléchargé d'Enverré, ça ressemble à ça. C'est simplement une image. Et cette image, elle s'appelle Manhole Square quelque chose. Il faut que je la mette dans un décal. Et le décal, c'est ça ici. Je le dessine comme ça, comme une boîte qui pointe vers le bas. Et dans cette boîte, eh bien, je vais mettre cette image. Donc, je viens ici et je vais chercher la manhole. Ici. Si je lance le rendu maintenant à cet endroit-là, il y a une plaque d'égout. Voilà, il va falloir que je la tourne, que je l'oriente mieux, que je la fasse briller. Mais j'ai une plaque d'égout qui vient de se dessiner au sol par-dessus ma texture de béton. Là, voilà. Donc, c'est comme ça que je vais pouvoir ajouter plein de détails. Je vais pouvoir ajouter des passages piétons, des marquages au sol, des fissures, des choses comme ça. Donc, je vais essayer d'agrémenter ma scène avec des modèles comme ça, dont un passage piéton que je vais aller chercher sur Internet. Et puis, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, j'ai créé ce masque sur Photoshop qui reprend un passage piéton un petit peu usé. Je l'ai exporté et je vais l'utiliser d'Enverré maintenant avec un décal. Donc le décal, je vous rappelle, je viens de le faire, il est là. Donc je vais le tracer comme ça. Je le place un petit peu mieux. Et à l'intérieur, maintenant, je vais créer, je vais aller lui appliquer ce masque que je viens de créer dans Photoshop. Je vais créer un matériau blanc qui va être le matériau qui va être la couleur du passage piéton. Je vais l'appeler piéton. Et je vais le mettre blanc qui reflète parce qu'il pleut. Et je vais l'attribuer au décal. Maintenant, je vais tenter un rendu, puis on va regarder ce que ça donne. Voilà, j'ai un passage piéton sur la rue et qui est un petit peu usé, qui reprend la trame que j'avais dans Photoshop. Donc ça, c'est pas mal. Je voudrais que les pavés maintenant marquent un peu de relief dessus parce que là, ça paraît juste posé. Eh bien, il y a un petit réglage dans le décal ici qui s'appelle le normal angle et le fade out. Et il suffit de régler un peu ces paramètres-là à la volée et d'essayer de voir ce que ça donne. Et normalement, mon passage piéton devrait mieux s'intégrer dedans. Voilà, là, on devine carrément les pavés qui ressortent du décal. On a vraiment l'impression que mon passage piéton, il est peint dessus. Donc ça, c'est fini. Et on a presque terminé. Mais avant de vous montrer le résultat, parce que je m'approche quand même de la fin, je voudrais ajouter des détails. Là, j'ai ma scène au global. J'ai rajouté des petites grilles ici. J'ai changé la texture des trottoirs pour une texture un peu plus usée. Je viens de mettre ce passage piéton qui est ici, donc on ne le voit pas beaucoup, mais il est bien là. D'ailleurs, je vais le grossir un peu pour qu'il prenne à peu près la largeur. Voilà, comme ça. Et ce que j'aimerais faire, c'est ajouter des feuilles mortes parce que les arbres, là, ils sont censés avoir perdu des feuilles et en mettre partout. Et ça, je vais vous montrer un truc absolument génial que j'adore faire pour ajouter des détails. J'ai rarement l'occasion de m'en servir. Et c'est une extension qui s'appelle Scatter. Je vous montre tout de suite à quoi ça sert, à ce qu'on peut faire avec. Vous allez voir, c'est génial. Voilà le fonctionnement de cette extension. Là, j'ai une scène qui reprend un petit bout de l'autre, en fait, le même type, avec un trottoir et des pavés, le personnage. Et là, j'ai des feuilles mortes. Des échantillons de feuilles mortes. Je vous montre à quoi ressemble la scène. Pour l'instant, c'est juste une rue en pavé sans feuilles mortes. Pour l'instant, les feuilles mortes sont à côté. Je lance un rendu, on regarde. Voilà, donc j'ai une scène avec une rue dans laquelle se reflète beaucoup, beaucoup de lumière. Hein. J'ai fait exprès pour que ça fasse pareil, ambiance de nuit. Et ici, j'ai des feuilles mortes toutes seules qui sont à côté, que je vais répartir, que je vais, vous voyez, des feuilles mortes d'arbres hein, classiques. Et j'aimerais qu'il y en ait plein la route. Donc comment je vais faire ça? Je ne vais pas m'amuser à les placer une à une ici sur le bord, machin. Non, non, non. Je vais utiliser une extension. Et ça, on peut utiliser Scatter ici, qui est une extension payante, mais qui est absolument géniale. Je vous la mets en lien dans la description si vous voulez faire des extérieurs, de la végétation, répartir des objets aléatoirement. C'est souvent
pour faire des jardins, mais pas que. Donc, je vais paramétrer mon scatter. Je vais lui dire que je veux utiliser toutes les feuilles là. Donc, j'en sélectionne quelques-unes. Je ne suis pas obligé de toutes les prendre non plus. Hop, je vais en prendre voilà, un certain nombre. J'en ai pas mal. Maintenant, je vais dire que je veux qu'elles soient d'une densité allez, assez forte, 15. Et je vais commencer à. Ah, vous voyez, aléatoirement, là, il me met des feuilles un peu partout. Donc 15, c'est même pas beaucoup. Je vais mettre 25. Donc là, il me met plein de feuilles. Si je génère, voilà ce qui se passe. J'ai des petites feuilles absolument partout. Sauf qu'elles sont toutes un peu dans le même sens. C'est pas très naturel pour l'instant. Elles sont un peu grosses. Donc je vais leur mettre de la randomisation. C'est-à-dire que je vais les faire aléatoirement, petites, grandes, tourner dans un sens, tourner dans l'autre. Et je régénère. Et là, ça va déjà être un peu plus naturel. Vous voyez comment elles sont réparties? Si je lance un rendu, maintenant j'ai des feuilles absolument partout. Voilà, j'ai des feuilles qui sont un petit peu partout sur le sol, mais elles sont vraiment réparties aléatoirement sur toute la surface. Moi, je voudrais qu'il n'y en ait pas sur le trottoir, mais qu'il y en ait genre comme c'est dans la vraie vie, avec le vent et les voitures qui passent, elles viennent se caser au milieu de la route et puis sur le bord des trottoirs. Donc ça, on peut le simuler facilement avec Scatter en venant mettre les objets à l'endroit juste où on veut. Donc c'est ce que je vais faire là, je vais peindre des zones comme ça avec mon pinceau. C'est-à-dire que des feuilles, il n'y en a que ici. À la limite, il y en a un petit peu au milieu aussi. Hop. Et puis un petit peu de ce côté-là aussi. Et en fait, là où les voitures passent, ben, il n'y en a pas trop. Générer, voilà ce que ça fait. J'ai les feuilles qui sont réparties comme ça. Donc je peux rajouter encore un petit peu d'aléatoire. Déjà, je vais en mettre plus. Je vais mettre 50 au lieu de 25. Donc il y a une densité bien supérieure. Et puis, je vais mettre une randomisation de la translation pour que ça déborde un petit peu. Alors attention, pas tant, hein, un tout petit peu. Je lance mon rendu. Je vais tourner un petit peu pour qu'on voit bien ce qui se passe. Et là, donc, j'ai rajouté des feuilles mortes simplement sur les côtés et au milieu. Et si je veux qu'il y en ait plus, et ben alors là, j'ai juste à monter la densité. Je vais essayer de la monter beaucoup. J'espère que ça ne va pas planter. Donc voilà ce que ça donne avec une densité de feuilles supérieure. On voit que c'est quand même assez réaliste de rajouter des détails comme ça. Et si je zoome de tout près, vous allez voir que c'est crédible. Du coup, sur mon autre SketchUp, ici, c'est ce que je voudrais faire. Je voudrais ajouter des feuilles beaucoup au bas des arbres et puis un petit peu sur les trottoirs, sur le bord des murs, quelques petits détails comme ça tombent au sol. Alors, essentiellement des feuilles. Je fais ça et puis après, on lance le rendu final. Donc, ça y est, on y est presque. Voici la scène telle que je vais la rendre, telle que je l'ai déjà rendue. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, si je résume, on a une scène modifiée avec des trottoirs, différentes textures avec du displacement, ce gros relief qui fait ressortir les pavés. On a les plaques d'égout, les passages de piétons, etc. en décal. J'ai rajouté les feuilles un peu partout. Tout ça, on ne voit pas, c'est masqué pour pas faire ramer SketchUp. Mais si je me mets dans la scène et que je lance le rendu, donc que j'ai déjà fait parce qu'il a duré un petit moment, voilà à quoi ça ressemble. Donc il est stocké dans mon historique ici et ça ressemble à ça. Donc on retrouve les reflets que je visais d'avoir au début. On a les feuilles mortes, on a les textures décales, les matériaux, les enseignes lumineuses. Si je zoome, on a une bonne résolution. Mais ce n'est pas la version finale. Je vais l'emmener dans Photoshop pour faire quelques clics, simplement quelques clics, pour vraiment modifier l'image et lui donner sa version définitive. Regardez, même si vous n'avez pas Photoshop, vous pouvez réaliser ces manipulations dans Photopea qui est complètement gratuit et ça change tout. Donc voici mon rendu tel qu'il est sorti de Vray. Et je voudrais changer sa colorimétrie dans un premier temps. Donc j'ai relevé sur Internet une image dont la colorimétrie me plaît beaucoup plus. Celle-ci, on voit qu'il y a beaucoup plus de couleurs et c'est contrasté entre du bleu et du orange, alors que moi, elle est très jaune au final. Donc, je vais demander à mon image de se rapprocher de la colorimétrie de cette image-là en faisant image, réglage, correspondance de la couleur. Et dans la source, ici, je vais chercher la deuxième image du coup. Et en jouant avec les curseurs, je vais essayer de m'approcher de quelque chose de plus froid, plus neutre. Voilà, j'ai une tonalité d'image qui me plaît beaucoup plus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher aussi sur Internet des overlays de pluie, c'est-à-dire de la pluie qui tombe, que je peux rajouter dans Photoshop. Alors, je vous montre ça. Ce sont des images un peu dans ce style-là, où toute la pluie qui tombe au sol va pouvoir être intégrée à Photoshop. Donc, je vais choisir une image qui me plaît bien, par exemple celle-ci. J'en ai revu quelques-unes que je vous montre ici. Voilà à quoi ça peut ressembler. Et ces images-là, je vais les mettre dans Photoshop et les superposer à mon rendu. Alors, comment ça se passe? Je vous montre ça tout de suite.
J'ai ajouté la pluie comme ça en calque au-dessus de mon rendu. Et dans les modes de fusion ici, je vais mettre ça en superposition. Et voilà ce qui se passe, ça ajoute de la pluie comme ça qui tombe de manière assez naturelle, sur laquelle je peux venir faire des masques de fusion et puis masquer la pluie si je trouve qu'à certains endroits j'ai pas trop envie de la voir. Hop, je peux masquer un peu. Et n'empêche que j'ai de la pluie qui tombe. Je vais en mettre une pluie beaucoup plus violente pour voir un peu ce que ça donne. Cette pluie qui paraît très blanche, je peux aussi, elle aussi, la faire matcher avec mon autre photo ici, en faisant image, réglage, correspondance de la couleur de la même manière. Donc après plusieurs manips dans Photoshop, je vous montre le résultat vraiment final, définitif. Donc le voilà, ce résultat final, avec la pluie, tous les éléments, les reflets, enfin tout ce qu'on avait prévu qu'il y ait dans la photo, on l'a. Est-ce que je suis complètement satisfait du rendu? Pas complètement, non. Tout ce qui est bâtiment, je trouve pas ça génial, mais j'y ai pas passé assez de temps. Je suis plutôt content de l'aspect des pavés du premier plan, on va dire, moins du deuxième plan. Mais le premier plan est pas mal. Et puis, j'espère surtout que ça vous a appris pas mal de choses. On a reparlé des décals, on a reparlé du displacement, on a découvert Scatter avec les feuilles mortes là qu'on peut répandre un peu partout. Et je vous montre aussi une image pour laquelle j'ai utilisé Scatter pour répandre les citrouilles là un peu partout dans la pièce. Bah, c'est pareil, j'ai fait comme avec les feuilles mortes, sauf que j'ai utilisé des citrouilles. Bref, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Si c'est le cas, mettez-moi des pouces vers le haut, partagez la vidéo, rejoignez la communauté, cette communauté qui nous permet d'apprendre ensemble, et on est déjà 500, là, ça fait pas encore 2 mois que ça existe, donc venez grossir nos rangs, on partage beaucoup de choses sur la 3D, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto, ciao!